Les Templiers n'étaient pas tendres au temps des croisades. C'est des bagarres qu'il ne faut pas faire à la maison. Sorte de catch médiéval, ces combats sont des répliques de bagarres du XIIe siècle, comme on pouvait en voir à Beaulieu-sur-Dordogne. C'est bien pédagogique, il s'explique bien. Le côté mode à l'italienne, c'est-à-dire au ralenti, et après vitesse réelle, où là, bon, on se rend compte du travail. On l'embarque, on le jette. Je crois que les gens ont besoin absolument de se changer les idées. Donc replonger un peu dans le passé, en voyant le passé comme quelque chose de très beau, eh bien, ça permet de passer la pilule des jours moins heureux, disons. Alors, pour changer d'air et d'époque, la cité médiévale a revêtu ses habits d'autrefois. Nous avons la chance d'avoir un patrimoine superbe avec les fortifications qui sont conservées, avec l'abbatiale qui est une des plus belles du Limousin, la chapelle des pénitents et le bord de l'eau. Donc le cadre se prêtait totalement à faire une fête médiévale. Marché, danse et musique du Moyen-Âge, reconstitution et déambulation, dont certaines peu engageantes. Expliquez-moi, vous avez des petits problèmes de peau ? Eh oui, et puis c'est la lèpre, c'est la lèpre. Et on est les gueux de Volonne. Parmi les figurants, 150 Bellocois bénévoles, mais aussi des cascadeurs professionnels. Pour la première fois, des jeux équestres sont à découvrir. Vous avez jusqu'à dimanche soir pour voyager dans le temps au bord de la Dordogne.